Bonsoir, c'est Lou. Bonjour, c'est Maïlu. Et nous sommes les Ocarina Knights. Bref, aujourd'hui, nous allons voir comment Alteo. Débloquer nos... Parce que j'aimerais bien sa pose, bon sang. Tu aimerais bien apprendre à jeter ta Pokéball par... Ah bon, bonjour. Vous êtes des amis d'Alteo? Non. Entrez donc, ne faites pas de manière. Je peux vous demander quelque chose. Ça vous dérange pas? Est-ce que mon fils s'acquitte bien de ses responsabilités? Non. Aucune idée. Pardon, c'est un peu soudain comme question, le combat Pokémon, ça lui a toujours plu. Tout gamin, déjà, il avait les yeux qui brillaient dès qu'on en parlait de combat Pokémon. J'ai un peu peur qu'il se consacre entièrement à ça et qu'il en oublie complètement ses autres responsabilités de capitaine. Pardon, je te retiens avec une histoire. Je vais prendre mon fils dans sa chambre. Le ténébreux. Enfin, je sais pas, il a pas l'air d'être à fond sur le combat Pokémon, il a plus l'air d'être à fond sur sa coupe de cheveux. Oui. Bon, alors, le nul. Eh bien alors, on m'insulte comme ça? Hé, hey, salut petite tête, c'est drôlement gentil d'être passé me voir. Et vous savez quoi, vous tombez à pic, j'ai deux hobbies dans la vie, les bigoudis et la stratégie. Là, je viens de boucler une série de simulations de combat avec ma toute dernière stratégie, j'aurais besoin de tour de trade pour tester ça en conditions réelles, vous l'êtes bien? Si ça peut te faire plaisir. Ah, merci, c'est cool, on va se faire ça à l'école des dresseurs, c'est plus sympa, ça me rappelle un peu mon intelligence artificielle, quoi, 3 ans et demi. Bon, avant de passer aux choses sérieuses, laisse-moi tirer les choses au clair. Si je gagne des combats Pokémon, c'est pour gagner à tout prix. Alors, en fait, je m'en fiche un peu. Par contre, savoir la bonne stratégie, voir comment l'adversaire va réagir, ça me fait vibrer, oui. Allez, allez-y, franchement. J'ai même ouvert les yeux. Mais c'est incroyable. Je pas dit, c'est vrai. Faut de la musique. Il a droit au vrai thème. Bon, alors, là, j'avoue que je me demande quel niveau il est. 41. Je sais pas. Parce qu'on est parti le voir. Du coup, il doit être fort. Oui, ça va. Parce que on a été le voir. On est carrément beaucoup plus fort que lui, mais. On a été le voir. Mais le pire, c'est qu'on a été le voir pendant le Rainbow Rocket et il n'était pas là, en fait. Oui. Du coup, ça veut dire. Oh, je l'ai pas battu en un coup. Moi non plus. Mais je l'ai brûlé. Il m'a fait quoi alors? Ah, il m'a fait l'attaque de la triche. Je vois. J'espère qu'il a pas de rat attaque. Du coup, il en aura un. Je pense pas, il y en a jamais eu, je crois. Ouais, non, par contre, il y a des guérisons, ça c'est un peu nul. D'ailleurs, je suis plus rapide que son. Bah oui, mais j'ai 12 niveaux quand même d'avance. Ça aide. Et je l'ai rebrûlé. Bon, alors, voilà. Pendant l'arc Rainbow Rocket, ça ne marchait pas. Mais maintenant, c'est bon. Ça y est, là, tu approches de la fin du jeu, donc tu n'es plus trop en condition d'aventure. Mais non, mais il est pas sérieux là. Ça va. Ah non, c'est pas guérison. Non, il a fait total soin. Là, tu le vois, il brûle quand même alors qu'il est mort, c'est pas grave. Je sais même plus ce que je voulais dire. Ah oui, si, le Rainbow Rocket, bah, ça se passait... On doit le faire après. Du coup, je comprends pas pourquoi ils sont aussi faibles, du coup. Oui. Enfin, ils sont... C'est parce que c'est Alteo. C'est Alteo, il est nul. Méga oh fouet. Oh non. Il a méga foué, quoi. Oh non. Oh non, il a tué un Mystigrix. Pas possible, ça, normalement. Ah mais oui, mais c'est Dodo à là. Okay. On n'a pas eu le même Pokémon, quoi. Mais oui, ah non, mais là, tu viens d'envoyer. Oui, là, je... Regarde ça. Regarde, là, tu vas faire coup critique. Ça va faire 2 de dégâts, tu sais pas pourquoi. J'avoue, en plus, je suis même pas allé chercher ma méga absolite. Je sais pas pourquoi je veux dire méga absolite, absolument. Non, parce qu'elle est tellement bien, cette pierre. Elle en vaut 3. Hyper sommeil, de doigts, là. Alors lui, tu vas le dégommer comme il faut, je pense. D'accord, oui. C'est pas Exploforce. Donc, c'est bon. C'est... Mais vous avez tous une attaque herbe. Voilà, je l'ai bien coup critiqué. Tu as bien critiqué le pauvre Colorior, c'est pas un si mauvais Pokémon d'abord. Il est très bien. Ah, ça y est, Corona veut apprendre une véritable attaque insecte. Elle avait quoi, rayon signal? Elle avait piqûre. Ah oui, c'est... Effectivement, vu comme ça. C'est mieux Bug Buzz. Eh ben voilà, j'ai encore perdu, encore une victoire. Grâce à Alteo, j'ai une nouvelle stratégie. Papillon danse Bug Buzz. Miaou. Fantastique, quel combat merveilleux. Tu m'as filé plein d'idées et je suis inspirée. La posture noble d'Alteo. Je vais vraiment impressionner. En tout cas, merci. Je vous invite à la maison. Il faut qu'on fasse relooking autour d'une tasse de thé. Non. Le thé, je veux bien, mais... Faut pas traîner trop longtemps avec lui, c'est ce qui paraît, si tu restes plus de 10 minutes avec Alteo, tu deviens arrogant ou alors tu veux détruire le monde. Il va être temps que tu rentres.
Merci d'être passé en tout cas, tiens, pour te remercier. Pourquoi? C'est pour ton flamme yaou et ton matou feu. J'ai vu que vous vous appuyez sur B tout le temps. C'est pas neuf seul effet, mais c'est le principal. Surtout que j'en ai déjà... Ah mais oui, non, mais je l'ai eu avec le Poké Pélago, j'allais dire. Surtout que j'en ai déjà eu, du coup je ne comprends pas pourquoi. J'en ai déjà eu. Merci Altéo, j'ai hâte d'apprendre ta pose. Enfin, je l'ai apprise, maintenant je vais aller voir le maître. Et nous revoilà chacun dans une destination différente, parce qu'on n'a pas rendez-vous avec les mêmes personnes. Alors je sais pas du tout si Kiaoué est chez lui. Il est censé être là, mais moi... J'espère que Kiaoué est chez lui. À tous les coups, j'y vais pour rien. J'espère que madame, elle est là aussi, parce que Barbara... Je veux pas manger son Barbara goût, mais... Ah bah c'est bon, je l'ai trouvé. Il est bien là, mais alors Barbara, où est-elle? Elle est pas là dans le restaurant? Qu'est-ce que vous faites? Hey, t'as fait voir des vertes et des pas mûres, hé. Bref, pour te dédommager du temps perdu, tu as bien mérité un petit quelque chose. Moi, je l'ai déjà fait pour un fond de sauce, mais presque intact, à part ça. Wow. Pour un fond de sauce. J'aime pas qu'on faisait des fonds de sauce avec des gros dragons. C'est une chouette fille, malgré tout. Capitaine Kawi, t'es ce magmar. Ok, c'est bien. Est-ce que Barbara est ici? Eh ben oui. Bonjour Barbara, que fais-tu ici? Bah la alors formiforme. Tu veux quoi? J'ai envie de me battre. Non, j'ai envie de m'amuser. Hein? Vendu. Oh. Quoi de mieux à mesure entre dresseur qu'un bon combat Pokémon? Fais ça ou dans la jungle sans confort, c'est encore mieux, non? Quand on lui rendez-vous, je sais. Je vais te pimenter les choses en te posant une petite énigme. Trouve le souffle qui vous. Ah, mais oui, mais voilà, il va vraiment aller à Bradley. J'ai hâte. Mais oui, ok, mais oui, c'est la même histoire, ok. Et là, il faut que je trouve un souffle qui vous, je sais pas quoi, je me souviens plus. Bah, normalement, t'en attrapes un en plus. Ah non, tu dois attraper son souffle qui vous, machin. Ouais, dans la jungle. Quoi, elle traîne toujours dans le coin pourtant cette heure-ci? C'est bien ma veine. Qui voulait me rendre un service. Tu as quoi? Tu peux me demander de redîner et de ramener mon sauf qui pousse. Par contre, l'histoire du sauf qui pousse, je m'en souviens plus là. C'est pas toi là? C'est pas toi là, qui était là? T'étais. Comment tu. Quoi? C'est pas le même. Mais d'ailleurs, c'est pas lui là? C'est pas le même. Par contre, oui, le sauf qui pousse. Je me souviens à moins que plus d'histoire de ça. Vous devez aller à la jungle. Je vais juste aller à la jungle. Je me souviens plus de cette histoire de Sauf Kipou. Je sais que oui, toi t'as une belle scénette où il est viré ou je sais plus quoi. Non, il est pas viré quand même. Je sais plus. Ok. You get fire. Je suis vraiment désolé, mon petit Kiaoué. Fire. Ah, oui, si, effectivement, il est. Il est renvoyé. Il a été licencié. Ah bah il est là, le Sauf Kipou en fait. Il faut que je pense à tous ceux qui travaillent ici et donc du coup, toi, je veux pas que tu partes. Hein. Je veux que tu partes. Mon ancien magasin, vous en avez bavé, vous avez dû repartir de zéro, vous avez fait assez de sacrifices, je ne vous blâme pas, monsieur Bradley. Mon petit Kiaoué, ça me fend le cœur de te faire ça. Tiens, prends au moins ça, c'est ta dernière paix. Merci de m'avoir libéré. J'espère de tout ton cœur que ton rêve de partir à l'étranger pour étudier la danse se réalisera. Le Bradley prit. C'est bon, monsieur Bradley. Merci, mon petit. Au revoir, merci, mon petit. Sauf Kipou, c'est celui de mon frangin. Sauf Kipou! Il fait son petit marché pour le restaurant, il nous aide bien! Poupou, Kipou! Tu es choco chaude pour le combat! Oui! Allez, c'est parti, viens donc te battre! Point contre point, tête contre tête! Mais c'est vrai que j'avais envie de regarder le anime de Soleil et Lune juste pour découvrir un peu plus les personnages de ce jeu. Kiaoué, il est trop cool! Il est trop dark! Mais non, il est pas dark. Ah, ça, c'est pas dark. Incroyable, j'ai peut-être pas... Ah, c'est dommage, j'ai pas le bon premier Pokémon. Je suis plus rapide que lui, ben dis donc, je m'en attendais pas. La griffon ombre, oui, le... J'ai cru que t'allais dire griffon d'or. Les griffons d'or, je les aime pas, je suis Serpentard, dit Desselion. C'est une femelle. Une Serpentard. C'est que des méchants. C'est pas vrai, c'est pas que des méchants! Sucraine, ce Pokémon qui veut faire genre, moi je suis plus fort que. Et fort à Mantis. Mais. Non, il a fait du mi-tour. Oui! Lampignon-pignon! Oh, espèce de champignon! J'aime pas les espèces de champignons! Je voulais juste monter ma force. Mais... Enfin, ma défense aussi, accessoirement. C'est pas grave! On va faire du grignotage. Ah, je suis plus rapide que Kinopio. Ah, c'est Kino, je crois. Je sais plus. Je ne sais plus comment elle s'appelle Toadette en japonais. C'est triste. Parce que Kinopio, c'est Toad. Ouais, Kinopio, c'est Toad. Ouais, je fais un petit surpuissance, là.
Regardez. Ah. Eh, hey, tu fais surpuissance. J'aurais pas dû tu faire... Tu vas perdre toutes tes stats, juste pour ça. Mais non, je monte toutes mes stats, au contraire. Regarde là, le, oh, le coup surpuissance critique. Des enfers. Énorme, moi j'aime trop. j'aime trop Florent Mantis. Mais oui, non, mais la capacité, cette capacité-là est tellement bien. Regardez là, il arrive. Le sucrène. Il va se faire grignoter, le sucrène. Il va me faire mal, puis il va faire un coup critique là qui va percer ma défense, ça va être trop nul. Je le sens. Il vous fait demi-tour. Regarde là, il me fait rien avec son demi-tour. Pendant ce temps, moi je lui grignote tous ses HP. Tu vas gagner toute ta vie. Non, elle a pas assez de points de vie pour tout me rendre. Nul, sucrène. Bien joué, Edel. C'est moi la meilleure dresseuse de Pokémon Plante. Eh oui, désolé, Barbara. Tu te débrouilles vraiment bien. Ça m'étonne pas, vu comment t'as géré mon épreuve. T'as entendu la conversation tout à l'heure? Oui, un peu. Ouais. Ouais. J'ai un rêve, devenir danseur de feu. Les petits boulots pour me faire des sous et partir étudier à l'étranger, mais là je viens de perdre mon job. Il est un peu mal barré, mon rêve. Pardon, je sais pas pourquoi je t'embête avec mes histoires. Merci d'avoir écouté, je vous fie. A plus, l'eau. Oh là là, toujours aussi efficace que je vois. T'as remporté mon épreuve pour rien. Je crois que mon orgueil de capitaine qui monte à la tête, je baisse ma garde. Bon, tu diras, mon orgueil a toujours été mon point faible, mais avant d'être capitaine. Je suis persuadé d'une grande carrière de dresseuse. Mais attends, franchement, je pense que t'as le potentiel pour devenir doyenne. Dis, ça t'arrive de penser à l'avenir? Non, pas vraiment. Ouais, je vois. Moi, ma voix est déjà toute tracée. Capitaine, c'est jusqu'à 20 ans. Après, c'est la quille. Je pense que je vais prendre mon business familial et bosser au resto. J'ai bien attention de devenir encore meilleur que mon paternel, mon frangin. Ah, mais non, d'accord. Ouais, il y a le père et le frère, là. Ils m'ont bien trick mon mind. Eh ben, t'en fais une drôle de tête quand j'ai parlé de mon frangin. Et ton frère m'a demandé. Vite, faut que je file. Allez, sauf Kipou. On va se secouer les patounes. Il y a le frangin qui nous attend. Kipou, Kipou. Eh ouais, Kipou, Kipou. Oh, il l'a mis dans sa poche. Bon, et eh bien, voilà, on peut aller... À Koni-Koni. Ok, mamie. On passe la porte, mamie. Il y a une porte ou je suis partie au mauvais endroit? Non, mais faut aller chez la maison, mais en fait, t'es pas... Ah, mais moi, je veux aller sur le bateau, c'est beaucoup mieux. On ne peut pas encore être des pirates, pour l'instant. Peut-être qu'un jour. En fait, non, il y a non, pas... Non, il faut aller dans la chambre. On va se faire attaquer par les petites sœurs. Ah, une amulette du tour des îles! Mes filles est pas là, mais elle va rentrer bientôt. Joue avec nous en attendant. D'accord. Moi, je veux un combat moule triple. Ah oui, combat moule triple, le meilleur. Moule triple. T'es prête, la grande? Moule triple. Allons-y, on va faire le combat moule triple. Meilleur combat. Moule triple, parce que moule triple... Ouch. Un drôle de mélange. Je suis désolé. Et vous, êtes niveau combien, là? Parce que bon... 10. 10? Mais non, ah non, c'est okay, super. Je dis des bêtises. Ah bah c'est Mimi qui est là. Mais oui, mais regarde! Mais regarde! Ah, nous, on a le niveau pour aller à la ligue, pas de problème! On s'est entraîné toute notre vie avec notre corayon et notre love disc. Je vais faire mon attaque préférée d'Atonnerre. Oh, elle a fait mal! Minuit. Les deux ont esquivé le blizzard, mais genre, vous avez aucun respect, quoi. Pour le pauvre Pokémon, j'ai même pas vu qui avait fait le blizzard. Mais... Aucun respect. Mais vraiment, vous en avez zéro, genre. C'est bon, nous, on s'en fiche. Mais... C'est pas grave. On va moutrick. Ah, le Corayon résistait à une de tes attaques. Double pied. Ah, double pied. Disque Corayon! Fantastique! Ils ont l'air trop heureux. Je pense qu'elles le sont pas. T'es drôlement fortiche! Ouais, tu crois qu'elle est plus forte que Fifi? Oh bah, wow, ok, Fifi! Tu sors comme ça là? C'est bizarre. Les filles, je suis rentrée. Fifi! Tu nous as trop manqué, Fifi! Ah, vous êtes là. Elle a bien voulu jouer avec nous. On a fait un combat moule triple. Super fort ton combat moule triple. Ah, je dois vous dire merci. Merci d'avoir joué avec mes petites sœurs, c'est vraiment très gentil. C'est quand même les petites sœurs les plus fortes de l'univers, quand même, je tiens à préciser. Entre vous deux, c'est qui la plus forte? Hein, c'est qui, dit? C'est qui? Je sais pas. Elles sont vraiment très douées, c'est sûr. Pas une réponse.
Faut se battre pour savoir. Je crois que nous n'avons pas à avoir le choix. Elles sont vraiment très têtues quand elles s'y mettent. Ouais. Un combat, un combat. Vous comptez pas refuser un combat? J'ai longuement réfléchi à une stratégie pour gagner contre vous. Voyons si elle marche. Quoi du tout? Elle ne marchera pas du tout, visiblement, la stratégie. Youpi! Allons dehors. Je connais très bien la maison, ça me donnerait un avantage si nous nous battions ici. Ah oui. Donc on va aller dans un autre endroit où j'ai totalement l'avantage. Ah non, il pleut pas. Je croyais qu'il pleuvait. Ou alors il avait plu le jour où on l'avait fait, je sais pas. Mais... Bats-toi à fond! Vous êtes prête? Je suis la grande sœur, je dois montrer l'exemple. Mais c'est pas tout. Je suis aussi responsable en tant que capitaine. Je vais me battre de toutes mes forces. Vous êtes prête? J'arrive. Cette fois, c'est nous qui faisons un combat moule triple contre Nefi. Ah bah, écoute. Ça marche aussi. Pas de jaloux. Oh non, mais je suis sûr que la première fois, il pleuvait, hein, genre... Oui, parce qu'elle avait dit, elle avait réfléchi à une stratégie pour nous battre et elle nous a emmenés dans un endroit... Oui, pleuvez. Ah ah ah. Ah non, pas le cage éclair, je suis déjà très lent, qu'est-ce qui va se passer? Je vais rater mon attaque à tous les coups, ça va être nul. Non, ça va. Oh non, pas hydrocanon! Bah alors, tu n'as pas tué le lanterne? Ben non, mais lanterne a beaucoup de HP, donc ça se tient. Ah bah! C'est pas gentil! Je fais comment après? Mais c'était là toute sa technique, je suppose. L'utilisation des guérisons. Moi, le crustabri, il me fait peur. Je sens qu'il va faire Shell Smash, là, je sais plus comment ça, exuviation. Moi, je vais être paralysé, du coup, je vais pas lui faire de dégâts et que je vais être trop triste. Regardez ça. Regarde, t'as en bulle. Non, ok, des picots. Un tonnerre, il va prendre sa revanche contre le Tarambule qui nous en a fait voir de toutes les couleurs la dernière fois. Ah ouais, je vais envoyer Vesta sur Tarambule, moi. Allez, un petit surpuissance, là. Parce que il le vaut bien. Sachant que j'ai dit que j'enverrai Vesta après, donc c'est très utile. Donc c'est pas grave, ça me fait plaisir. Tu veux pas guérir, Edel? Ça serait bien. Attends, mais... Ça le fait... Non. Ah, mais j'ai fait le coup non critique. Je vois. Pas le super tourbillon abyssal! J'avoue, l'autre, il a pas fait d'attaque zéro. Ah, il a pas eu le temps. Ah. D'ailleurs, c'est un peu de l'overkill quand même, là, pour un Pokémon feu quand même. Ah, mais c'est ma nouvelle stratégie, elle marche bien. Ah oui, tu prends comme ça. Tu vas voir ce que tu vas voir. Regarde ça. Hop. Ça n'a même pas marché. Ce n'est pas très efficace. Ah oui, d'accord, j'allais dire. Parce que pour une attaque pas très efficace, ça m'a quand même fait bien mal. Bravo. C'est incroyable. Allez, j'ai une revanche à prendre, moi. Bon alors, c'est un crustabri. Tu penses que mon Absol, il peut battre crustabri? Non. On va essayer. Une revanche à prendre. Qui se souvient de ce combat? Oh. Mais regardez ça. Oh, incroyable, j'attaque en première. Bah après, c'est... Voilà, je t'avais prévenu. Non, elle va faire picot peut-être. Oui. Oh là là, ça continue, hein! Elle veut pas mourir, Tarambule. Jamais elle veut mourir. Elle veut faire guérison, tu vas voir. Moi, elle veut faire guérison, c'est sûr. Hein. Moi, elle veut faire guérison aussi. Non? Non? Ah, mais oui, mais elle a récupéré des points de vie avec vampirisme, du coup. Ben moi, je me souviens même plus si. Elle en a fait qu'un sur lenteur, mais. Je crois qu'on en a fait qu'un, non? Non, on en avait pas d'autres. Ou alors elle avait pas envie. Genre, pas la peine de faire durer le combat, je sais que j'ai perdu. C'était ça, sa stratégie. Doudou veut prendre ultra laser. Rien que ça! C'est pas des lasers. J'ai comme qui dirait mordu à l'hameçon. Oh là là. Oh, elle pleure. Fifi a perdu. T'es vraiment fortiche. Oh, vous êtes vraiment très forte. Mais vous êtes vraiment en synergie avec vos Pokémon. Je crois que mon équipe et moi avons encore du pain sur la planche. C'est pas drôle si tu perds. J'en ai marre, je veux rentrer. Tu me portes? Moi aussi, je veux rentrer, tu me portes. Allons, arrêtez de bouder et rentrons tout ensemble. Je ne porte personne, vous êtes trop grande maintenant. Vous pouvez marcher toute seule avec vos petites jambes potelées.
Merci encore d'avoir pris le temps de jouer avec mes sœurs. C'est pas grand-chose, mais tenez, ce sont des objets à faire tenir à un coquille-perle. Ah oui, on a les deux, j'ai dit. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un et l'autre, tu l'échanges. Je dois partir, il faut que je rentre pour aider mon papa. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. Mais a-t-on réellement envie? Oui, je veux dire, bon... Soit, on est venu ici, c'était peut-être pas très gentil, mais... Voilà. Ah oui, d'accord, elle aide son papa. Elle aide son papa à ranger les cannes à pêche. Eh bien voilà, c'était les scénettes des champions, des je sais pause, pas des dire. Battle pose, machin, ouais. Oui, bah des capitaines, voilà, des capitaines, c'est ça, c'est ça. C'est du ça. Coup, j'espère que vous avez trouvé les poses qui sont à votre goût. Moi, c'est la pose gaucher. Bon, c'est pas cette pose-là, mais c'est pas grave. Bref, du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Au revoir tout le monde.